Les demandes de dossiers de candidature pour entrer dans l'armée se multiplient depuis les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, plus 33% tout corps confondu. Depuis des mois, une de nos équipes a été autorisée à suivre Edwin, un étudiant en informatique poitevin qui a décidé d'arrêter ses études pour s'engager dans l'armée. Nous avons suivi sa formation à l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'active, à Saint-Mexant, dans les Deux-Sèvres. Sa formation et sa transformation jusqu'à son transformation physique, vous allez le voir. L'apprenti soldat, c'est un magazine signé Antoine Morel, Angélique Mongon, Cédric Cottaz, Vincent Pifto. Le montage est signé, lui, Christophe Poujas. Le combat de demain, ce chant militaire des années 50, c'est l'hymne choisi par les élèves de la 305e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active. Sous les projecteurs de la place d'armes, 279 soldats, dont 36 femmes, s'apprêtent à recevoir leur galon de sergent. Huit mois plus tôt, bonjour. Nous rencontrons Edwin, juste avant son intégration au sein de l'armée française. Oui, j'ai mis à zéro, comme vous m'avez dit. Edwin quitte la résidence universitaire de Poitiers, après 2 ans passés ici, comme étudiant en informatique. Après le bac, je pense que j'avais un manque de maturité. Donc du coup, je me suis dit, je vais encore attendre 2 ans, avoir une certaine expérience de la vie active, voir comment ça se passe. Si ça me plaît, je continue. Si ça ne me plaît pas, j'arrête, je change de voie. Ça ne m'a pas plu, donc là, je rentre directement pour l'armée. Voilà. Vous signez ici. D'accord. Vous rendrez les clés avec la feuille. Ok, celle-là. Ouais. Dans quelques heures, ce jeune homme de 20 ans, originaire de Guadeloupe, va s'engager dans l'armée de terre. Derniers instants de vie civile, avant de rejoindre l'ENSOA pour 8 mois de formation. Si l'armée, au final, ça ne me plaît plus, il y aura toujours moyen de me reconvertir pour faire autre chose, rentrer dans la vie active plus facilement. Donc, c'est tout bénef. Son frère, Mendel, est le seul membre de sa famille en métropole. C'est lui qui va l'accompagner à Saint-Mexant-l'école. Donc là, la tour, il y a les gens là. Ouais. Vous allez là, vous posez vos sacs et après vous voyez avec les gens. D'accord, ok. Merci. Dans la cour d'honneur du musée national des sous-officiers, il y a l'adjudant juste là. Edwin retrouve l'adjudant-chef Catherine. C'est elle qui l'a accompagné dans son projet professionnel. Bonjour. Bon alors, ça va? Mais pour l'instant, tout va bien. D'accord. Ça va, vous? Et votre famille? Mais Mendel est là. Sinon, ils sont fiers de moi, entre guillemets, vu qu'ils savent maintenant que j'ai trouvé, entre guillemets, un boulot, donc ils savent ce que je fais. Et puis vous avez bataillé pendant plusieurs mois, donc c'est une chouette récompense. Engagés volontaires, ces jeunes hommes et femmes vont signer dans quelques instants un contrat de 5 ans, pour 1 450 € net par mois. Chef d'équipe spécialisé dans les systèmes d'information et de communication, félicitations. Ce sera le futur métier d'Edwin. Je suis enfin avec un statut de militaire dans les mains. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Je peux dire que je commence une nouvelle vie. Les premiers, vous faites attention pour les sacs. Les gars, il y en a qui ont des PA là dans le... Ouais. Tous ceux qui ont des PA, vous les emmenez là, il y a un colisier qui a une caisse. Ils sont où là? Passe-moi le mien. C'est quoi un PA? C'est un PAMAC 50. Pistolet d'armes de la manufacture de Châtellerault, année 1950. Vas-y, fais passer. Vous en avez appris des choses en 5 mois là? Oui, beaucoup de choses. Avant de partir en manœuvre cet après-midi du mois de novembre 2015, le bataillon a respecté la minute de silence, organisée dans toute la France, en hommage aux victimes des attentats de Paris. Nous suivons le convoi à bord du véhicule du lieutenant Florence. Comme pour tous les militaires que nous rencontrons, nous ne donnons que son prénom, une mesure de précaution demandée par l'armée. L'officier de presse est à nos côtés tout au long du tournage au sein de l'école, y compris lors de nos entretiens avec des élèves. Des jeunes engagés, soumis comme tout militaire, au devoir de réserve.
Vous vous êtes engagé quelques mois après ce qu'on a appelé les attentats de Charlie. Là, la semaine dernière, il y a encore eu donc des attaques sur Paris. Comment est-ce qu'on vit ça lorsqu'on est engagé au service de la France? Alors, à mon niveau, tout ce que je peux vous répondre, c'est que ça donne encore plus de raisons à notre engagement. Comme quoi, on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. En fait. Nous, en tant qu'élèves, on n'est pas amené à en parler directement. C'est sûr que ça bouleverse un peu tout le monde. Puis voilà. Mais en gros, ouais, c'est ça. Tu donnes ton ordre de déplacement et en avant. T'as 45 minutes de préparation, 45 minutes pour faire ta mission. Ok. Formation en ligne. Annoncé dès que prêt. Prêt. En avant. Les élèves entament leur cinquième mois de formation intensive. Décalez-vous encore. T'as besoin de décaler encore à droite, à la fin. Allez, recommencez ça là. Reviens là, recommence. Je peux pas te laisser faire ça là, recommence. Donc l'ennemi il est en face de toi et toi tu progresses en ligne. Napoléon c'est terminé. Ok. Donc la surveillance, la discrétion. Donc là, ton groupe, tu fais progresser en discrétion, en colonne. Jusqu'à la lisière. Allez, Phoenix. Vous êtes trop collés les uns aux autres. Vous êtes trop collés. Donc du coup, s'il y a une grenade qui arrive, le groupe entier il est au tas. Prenez des espacements. Et tu trouvez comment vos hommes aujourd'hui, ça va? Ils étaient à l'écoute? Moi de mon côté j'ai un peu fait de la merde donc du coup ça s'est pas passé comme il faut. Sinon dans l'ensemble ils faisaient leur boulot et puis moi de mon côté j'ai mal fait le mien. Mais bon on a pu dérouler quand même et puis la mission a été faite même si au final on a dépassé le délai des 45 minutes. Ration de combat en main, direction les sous-bois du camp militaire d'Avon pour préparer le bivouac. Et interdiction d'utiliser une lampe de poche. L'intérêt de cet exercice, c'est de leur faire prendre conscience de l'intérêt qu'il y a à bien faire son sac, à bien savoir où sont leurs affaires, la bâche elle est où, les tondeurs ils sont où, etc. De manière à ne pas perdre de temps. Donc le gars qui a fait l'effort de préparer son sac correctement, il va faire son bivouac rapidement. Tandis que celui qui a fait son sac au dernier moment, forcément, il est perdu, il fait nuit, il sait pas où il est, et si c'est pas ce qu'il y a dans son sac, c'est même pas la peine. Prends-moi ça. Vous en faites prêter, vous êtes pas tout seul, vous êtes une section. Normalement, à plusieurs, vous devez être capable de vous sortir. Envoie une. À ce stade de leur apprentissage, les élèves ont intégré les codes du métier de soldat. Mais dans 3 mois, c'est le rôle de chef qu'ils devront tous avoir endossé. Allez, dépêchez-vous là, vous êtes trop lent. 6 heures, la section lève le camp. Je veux rien entendre, que le bruit des sacs. Il pèse combien là, le sac? Je sais pas du tout, une dizaine de kilos à peu près. Ça va, la nuit s'est bien passée pour vous aussi? Oui, ça va. Ouais. Ouais, ça ronfle un peu, mais genre rien. On est bon? Ouais. Allez. Les jeunes qui viennent nous voir, il faut qu'ils aient bien dans la tête cette idée de sacrifice. On vient pas à l'armée juste pour mettre un treillis et juste pour faire du sport, on y va pour servir la France jusqu'au bout. Thank you.
Putain. Allez, encore, encore, encore. Dans deux mois, c'est l'examen final. Je pensais qu'elle était plus simple, hein, moi. Ah, moi aussi. Alors, ça te défonce, moi. L'épreuve du câble, tout doucement, tout doucement. De la gouttière, voilà. Des obstacles classiques de la piste d'audace, empruntés par des générations d'élèves depuis la création de l'école en 1963. Mais un demi-siècle plus tard, les attentats sur le sol français obligent l'armée à faire évoluer la formation de ses sergents. On fait ici une formation que l'on appelle à des techniques d'intervention opérationnelle rapprochées qui peuvent être mises en œuvre, je dirais, pour une riposte graduée, pour par exemple, je dirais, empêcher de nuire un individu qui viendrait directement menacer quelqu'un qui est en faction ou en sentinelle. Mais ça, c'était déjà rentré dans, je dirais, dans les programmes. Et on a amendé, depuis le mois de janvier, on a fait monter un petit peu en puissance cette partie-là. Encore. Même quand ils ne sont pas en opération, les militaires peuvent être pris pour cible. Ces jeunes engagés doivent donc savoir se faire discrets en toutes circonstances. Les mesures qui sont prises sont des mesures qui sont simples et de bon sens. Ne pas raconter sa vie sur les réseaux sociaux. C'est bien, hein. Ne pas faire étalage de son métier, c'est-à-dire militaire, pareil, sur les réseaux sociaux. Bref, de la discrétion et du bon sens, comme n'importe quel soldat professionnel, de la discrétion et du bon sens. C'est pour ça que vous avez choisi d'être flouté aujourd'hui, vous? Aussi, oui. Notamment, oui. On nous le répète tout le temps, le général nous l'avait dit, nos cadres nous le disent. Donc par rapport à ça, on est très sensibilisés, oui. En haut, en bas. J'emmène mon ensemble mobile vers l'arrière, je lui maintiens. J'ai rien compris, en bas. Facebook, je ne l'utilise pas pour parler de tout ce qui est métier. Tout ce qui est militaire, ça reste un vocal. Pour tout ce qui est photo, etc., je les envoie par lettre ou bien par mail, mais c'est vraiment privé, ça reste du privé. Ça vous a réchauffé? Oui. Moi, ça m'a réchauffé. Spécialiste du monde militaire, Vincent Jakubowski est sociologue dans un centre de recherche de l'Université de Lille. D'après lui, il est vital de protéger l'identité des soldats. Le risque qui pèse sur les militaires, je dirais que l'institution militaire n'est pas la seule à en être victime. On le voit malheureusement quasi quotidiennement, les pompiers en sont parfois aussi victimes, les assistantes sociales ou les assistants sociaux, également les autres forces de sécurité publique que peuvent être les gendarmes ou que peuvent être la police. Donc l'ensemble, ou les magistrats, l'ensemble des forces et des institutions de sécurité et de justice en France représentent aujourd'hui quelque part, parce qu'ils représentent et parce qu'ils incarnent la France, cette prise de risque ou cette mise en risque. Et donc c'est l'une des raisons fondamentales qui ont sans doute, et à juste titre à mon sens, poussé l'institution à inviter les militaires à avoir davantage de prudence sur les réseaux sociaux, à avoir davantage de prudence aussi dans l'espace public en général, pour ne pas faire état de leur situation, de leurs conditions de militaires, pour ne pas autoriser d'éventuels actes terroristes à leur endroit ou à leur rencontre, en raison même de leur militarité. Retour dans les Deux-Sèvres pour un nouvel exercice de terrain. Cessez le feu ! On est à une semaine de la fin, là, lieutenant. Oui. Ils sont bien ? Semaine. Ils sont presque à point. C'est bon ? Alpha prêt. Départ. Ce matin, Edwin doit commander le groupe pour installer un checkpoint. Dernier exercice, après 8 mois passés à l'école nationale des sous-officiers. 8 mois de formation, ce sont 1200 heures de tir, au fusil d'assaut, au lance-grenades, des centaines de kilomètres de course à pied, mais aussi des cours d'anglais, des cours de couture, des séances de combat au corps à corps, et des jours passés sur le terrain à enchaîner les exercices, grandeur nature. Arme. Rassemblez-vous, débriefing. Donc arrête de fixer ton carnet de combat et tu regardes dans les yeux les mecs que tu commandes parce que tu vas aller au combat avec eux. Donc tu les regardes dans les yeux et tu donnes tes ordres en même temps. Tu seras plus convaincant. D'accord ? Et les mecs, ils auront plus envie de te suivre. Allez, c'est quand même bien les gars.
Tenir un point de contrôle, surveiller un bâtiment, des missions typiques de l'opération Sentinelle. Une semaine avant cet exercice, un homme fonçait avec sa voiture sur quatre militaires en faction devant la Grande Mosquée, à Valence, dans la Drôme. On sait à quoi s'attendre, on sait pourquoi on s'est engagé, et on se dit tout le temps, ça peut nous arriver, donc on est conscient de la formation qu'on a entrepris pour réussir. C'est pas un peu frustrant de se dire qu'ils vont peut-être se retrouver des fois simplement à garder un bâtiment public? Il n'y a rien de dévalorisant là-dedans, le premier travail du militaire, c'est de défendre son pays. Donc être en statique dans le cadre d'une mission défensive en France, ça n'a rien de dévalorisant. C'est le premier travail du militaire français. Deux, c'est bon pour toi, tu colles? Aussi. Rester sous la tour Eiffel, même si évidemment c'est en mobilité, ou rester devant des lieux de culte, évidemment quels qu'ils soient, ça n'est pas l'opération dont peuvent rêver les militaires. Même si, on le voit bien, c'est une opération qui est aussi difficile, puisque malgré son côté qui est sans doute un peu rébarbatif, elle nécessite néanmoins une vigilance de tous les instants. Renfermement sur 6 colonnes, en colonne couvrée. Nous retrouvons Edwin juste avant la cérémonie de remise des galons. C'est lui l'homme de base de la compagnie, le plus grand, sur lequel on vient s'appuyer pour former les rangs. Ce sont les premiers sergents formés par le lieutenant Guillaume en tant qu'instructeur. C'est ma première section à l'instruction. Oui, je suis plutôt satisfait du produit qu'on va livrer en régiment. Au tout début, après les premiers mois, il me disait que j'étais trop discret. Mais par rapport à ma carrière, c'était bizarre en fait que je sois aussi discret. C'est bien. Mais au final, maintenant, ils ont eu ce qu'ils attendaient de moi au final. Et puis, je reste simple et j'ai pas besoin de me montrer plus que ça pour me poser. L'armée de terre a besoin de ces jeunes chefs dynamiques pour pouvoir mener le combat à l'avant, c'est-à-dire en Syrie, en Irak ou dans la bande sahélo-saharienne, mais aussi sur le territoire français. Nous faisons face à une menace djihadiste radicale et ce que vont faire nos jeunes sergents que nous formons ici, c'est protéger nos concitoyens, soit à l'avant, en Afrique, soit sur le territoire national. Les parrains des élèves s'avancent sur la place d'armes de l'école. Edwin a demandé à l'adjudant-chef Catherine d'être sa marraine. C'est elle qui va lui remettre ses galons de sous-officier. Remettez les galons. Bienvenue dans le corps des sous-officiers. À 21 ans, Edwin est sergent, mais il n'en a pas tout à fait terminé avec les études. Il doit encore se spécialiser dans les systèmes d'information et de communication à l'école des transmissions de Rennes. Sur les 327 jeunes engagés au départ, 48 ont abandonné en cours de formation, blessés ou démotivés. Tous les autres ont reçu leur certificat militaire de premier degré. Edwin est déclaré apte à servir la France pour 5 ans. Et pour revenir sur ces mois de tournage, nous retrouvons Antoine Morel. Bonsoir Antoine, vous avez réalisé ce Bonsoir. Magazine. Alors Antoine, est-ce que ça a été facile d'obtenir les autorisations de tournage, qui plus est en pleine période d'attentats sur le sol français ? À mon grand étonnement, l'accord de principe a été donné assez rapidement par l'armée de terre, qui, à mon avis, aussi avait un intérêt sur le plan de sa communication, à ce que l'on suive un élève et qu'on donne un éclairage particulier sur la formation des sous-officiers à Saint-Mexant-l'École. Par contre, c'est sûr que c'est aussi l'armée qui a décidé des séquences que nous allions pouvoir tourner au sein de l'école ou pas. Par exemple, je n'ai pas pu filmer Edwin lorsqu'il s'était blessé à la cheville sur la piste d'audace et qu'il était la jambe dans le plâtre. Je n'ai pas pu le filmer non plus lors d'exercices de résistance au sommeil. Je n'ai pas pu le filmer lorsqu'il s'entraînait à tirer à balles réelles au pas de tir. Donc voilà, c'est quand même l'armée qui a donné un peu son tempo pour la réalisation du reportage. Mais sur le principe, voilà, ils étaient d'accord assez rapidement. Oui.
On nous dit que l'armée doit faire face à un engouement et à une demande de plus en plus importante de jeunes étudiants notamment. Est-ce que le cas d'Edwin est significatif ? Alors je dirais que Edwin, c'est un peu l'exemple parfait du militaire, du jeune engagé que recherche l'armée de terre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a fait une partie de sa formation dans le civil au sein de l'université française. Il arrive avec un bon bagage, dans le sens où il vient d'une famille où on a l'armée déjà chevillée au corps, on a le respect de l'uniforme, son père est policier municipal en Guadeloupe, son frère est engagé au sein de l'armée de terre, son petit frère est engagé, s'engage dans la gendarmerie française. Donc on sent qu'il y avait un terrain assez propice à ce qu'il s'engage lui-même au sein de l'armée de terre. Voilà, il a fait sa formation en informatique. Que viennent chercher tous ces jeunes ils ont conscience, ils sont prêts à donner leur vie pour la patrie ? Alors voilà, par contre, je pense qu'il y a cette notion de don de soi, effectivement, de sacrifice, d'extrême disponibilité que ces jeunes mettent au service de la France. Mais je crois que plus concrètement, ils viennent aussi avant tout chercher un travail. Parce qu'un contrat d'engagement au sein de l'armée de terre, donc c'est 5 ans. Ils vont pendant ces 5 ans avoir des formations de spécialistes. Donc ils vont ensuite, si jamais ils arrêtent au bout de ces 5 ans de contrat, ils pourront retrouver sans aucun souci du travail dans le civil. Merci beaucoup Antoine pour les coulisses donc, de ce tournage.